Moi, je pense différent, c'est ça. Bah, quand c'est bien. Mais tu veux que tu en as cash, les fêtes à l'élo. Beaucoup, tu n'as pas besoin de l'écho, tu n'as pas bien. Puis tu n'as pas cash, les fêtes, tu n'as pas besoin de l'écho. Ce que je trouve beaucoup dans l'art, c'est que vous n'êtes pas responsable. Vous avez conscience qu'après beaucoup d'années, ton colis, il y a un colis parce que les lots, il y a un colis, il y a déjà, si c'est ma classe, il y a un. Moi, je pense qu'ils avaient quand même raison de ne pas avoir un salaire. À niveau de tout ça, ils ont une réconciliation, ils ont un business. Je dis qu'il y a bien ordre ou bien ils ont un désordre. Parce que je ne sais pas en ce moment-là, qui va diriger qui? Est-ce qu'ils vont garder la même configuration des alors qu'à la JB président ainsi de suite? Tu veux éviter. En termes maintenant quand il y a business, moi j'ai payé mon argent pour la musique. Quelle musique je vais écouter? À l'époque où on a été obsédé au vivant à JB Nawera, on a grandi avec Tobunda, Toswana, Bissom, Tozalat, Kiwana. On a bah vécu ça légèrement de Bissom à Bissom. Bah on a le bah on a passé bah mon a bah ferré bah inonce bah Fali, bah héritier bah Fabregas, bah Gezmawete, bah Robinho. Il a penché en côté musique urbaine. Il a fait ça l'album Mobimba. Il y a musique wana, rumba trap. Ça n'a rien à voir avec la rumba. Ça n'a rien à voir avec la rumba. Les Robinho manchin, Kulumba, Gezmawete, Inosbi, rien à voir avec la rumba. Héritier de la chance, il a fait un très bel album de la rumba qui a marché. Mais ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. On sent qu'il va foutre. Au moins, il m'a dit ça. Parce que mon toit s'est caché, mais ça là tout l'album au sol en moyenne et le côté. Soit ils abonnent par organage. Ce qui Amadou Diaby a bengi bango. Ça pouvait aussi être quelqu'un qui l'a contacté. Ndeni to sangana te yo te bwala ba ni to sa moloko moko bu. Iko tata sulida admission moko. Abia petu abeti carton jackpot. Idée ne zapinda bien ba tata ngoka ngapena créer le mabongo mais ce que le ko essenga balar to contacter producteur aya. Et quand la paix bon photo tu m'as posé wingi. D'après ça si mais bien mois de mars ça va aussi qui me montre mon album. On attend. Moi j'ai confiance à cet album là. N'a aucun extrait. J'ai entendu n'a aucun pas faire déjà. Bah extrait c'est un bel album. Hela ma on a écolo ça mon voilà. Mesdames et messieurs, l'émission est dédiée par Kodamboka, Willy Moucheni, notre vieille, Namusika, Kodamboka, Bambo Tibele, Mathieu Monsieur face à Charlie Prince, toujours sur votre chaîne Captis Télévision. On est là pour bien travailler, sans polémique, sans parti pris. L'actualité est dominée par Wenge Musica, 4x4, Jibin Piana, Wiranson et les autres. Après des années, Lelo Basangani. Même podium, donc c'est pour bientôt là, tu rejoins un peu single et tout ça là bien. Et pourquoi pas Koffi Olomide nommé ambassadeur qui tirait de notre pays. Et c'est l'actualité qu'on va parler avec les DG des Captis Télévision, qui est monsieur Charlie Prince, donc l'excellence compte. Donc je suis avec lui. Et merci déjà à tout le monde parce qu'on est en direct, c'est Captis Télévision. Respect à Yuyu Kabouikou depuis Paris. Arsène Toya, les jeunes millionnaires, merci. Et respect à Nadine Ilodi Antibal et sans oublier notre grand frère Arsène Ilodi depuis Dallas. Merci beaucoup. Mais c'est Charlie Prince, les DG, bonjour. Mathieu Bonche, 001. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour également à ma partenaire dans la tour Boîte à la Bussot. Je pense au président Toussaint, M. Katia Commercial, agence, il y a fret, il y a sur, on a Monagina à Istanbul. Fiabilité, wana na ebisio tika. C'est-à-dire, au lelo, trois jours, il y a un akin. Ce poulimba, on a place au vendre à Bayo, M. Katia, commercial, à Angola, à Dubaï, à Nakin, à Istanbul. Donc, si on a un peu de Angola qui est à Istanbul, ou est à Istanbul, il y a un peu Yokaka. En tout cas, on a tant de records aux Ublots, on a eu, puis. En toute sécurité, Zokoma très bien. Donc, merci beaucoup à M. Toussaint. Et merci également à Christian Yongo. On a une équipe, il y a M. Katia commercial. Mais pour nous, on a basket à Istanbul. Basket, il y a solo. Parce que la qualité, n'a pas qualité. Il y a des qualités. Donc, Bodama, il y a une qualité. Il y a une qualité. Il y a une qualité. Basket en Nenga Mouquette. Donc, à sa boutique, uniquement il y a basket. Boudama Vakala.
Voilà, merci beaucoup, Charlie Prince. Après beaucoup d'années, les Lowenge, même tablette. En tant que Congolais, salut au bonnet, puis aux a parmi ma mère, Konike, Yambo, Kanabisu. Non, mais en termes de réconciliation, en termes de, fraternité, en termes de d'exemple aux jeunes, moi j'estime que c'est bien. Mais ils ont beaucoup de conditionné dans l'art. Donc, ba vieux ba kouta ni pona l'art ni tete l'art ba nga ba kouta na te moi je passe différence c'est ça ba kouta ni c'est bien ba kouta ni c'est bien neti yo songo kouta na cash li fait alelo bo kouta na po ba bande ko bo so la bo bien petit na cash li fait na pc mbote ce que mis ko fo kouta na pona l'art c'est que vous n'êtes pas responsable donc les gens doivent prendre des décisions à vos places pona l'art bo kouta ni donc ce l'art ko pa l'art na silim na tazoni na coin na ye li tout e bandi. Donc, ils arrivent, bon, natiara na se, pour na benda, natiara na poche, mais après, yango, li solo yate. Moi, je pense que ça devait commencer par bango moko, bazo a conscience que après beaucoup d'années, to koli, bana ba koli, parce que lelo, bana ba rokit, ba komiko bala bala déjà, ba sisi ba classe, bana bango. Moi, je pense que ils avaient quand même raison, bango moko ba yé bane ba ro salamaram. Mais bon, yapi ma bete, yapi business, yapi ma bete. Ce qui est que basalango, ba koutani, il y a un business, il y a un peu ma bête. Mais ce qui est un thème, c'est que tu as dit 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 que tu devez réfléchir de cette manière-là. La vraie réconciliation, c'est que tu as dit que tu as comprendre que nous devons nous réconcilier. Mais na niveau toza, esa réconciliation te esa business m'tekutani siba. Réfléchissons maintenant sur quoi en termes de business. Quels sont les bénéfices y a producteurs dans les solo? Tu vois bêtis, bah oui, bah la production y a, bah ça là évidemment phonographique, un maxi single qui peut contenir peut-être 5, 6, voire même 7 chansons. Et puis après ils ont des productions scéniques. Ils vont commencer les 30 juin bah bêtanakin, place bah faire et bandaga. Là où s'est passée la dislocation, bah, na, ça m'a dit, bon, le 30 juin, na, denge, y a indépendance en Boka, bah, on peut passer en termes de réconciliation. Et à ma bête, ça bien. Moi, je pense que sur les plans scéniques, bah, on va réussir. On va réussir que l'ambiance ouana, ils ont régné. On va foutre billet, on va couper, on va taper, on va taper. On va couper, parce que on va réfléchir à business. On va foutre, on va couper, on va taper. Ils vont bénéficier de quoi? Musique a bien, ordre. Ou bien ils ont la désordre. Parce que je ne sais pas en ce moment-là qui va diriger qui. Est-ce qu'ils vont garder la même configuration des alors qu'à la JB président, ainsi de suite. Tu éviter. En termes maintenant, quand il y a business, moi j'ai payé mon argent pour aller avec la musique. Quelle musique je vais écouter? Ils ont toujours le même talent qu'ils avaient avant, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Aux hommes, je ne pense pas. Est-ce que Masséla doit être en Azan Makaba, Azakara au top. Patient Kusangila et Kokota, à Roboakaka pour trouver cette opération à gauche, à aucun appel sauté. Parce qu'il n'y a pas dans le solon, étant animateur. Est-ce qu'ils vont faire appel à d'autres personnes? Tu vois, tout ça là, nous devons réfléchir. Pour qu'on ait un bon plan de Kokota concert, il faut me retrouver. Et ouais, ils ont scène, ils ont spécialisé au barreau matériau, ils ont fait beaucoup, ils ont fait même si on a été en vrai. Ils ont doulé, ils ont été live. Est-ce que c'est pas un peu ça, ils ont doulé. On réfléchit de cette manière là. Producteur, il bénéficie de quoi? Au cas où tu as cité. Parce qu'il faut qu'on se pose aussi la question, est-ce que c'est vraiment les moments qu'on attendait voir où est Rajibé, Blaise Boula, Adolphe dans, sur le même podium? Est-ce que le moment où ils ont on attendait ça depuis, on a demandé les sociétés brassicoles, ils font des démarches, tout ça pour nous habiter ensemble d'été. Est-ce que le moment est l'écati? Est-ce que demande, on a posé en vie, on les a toujours? Il faut qu'on se le dise, bah on va coller les lots, c'est bien internet les lots. Bah, viva époque où on a été obsédé viva à Jibenawera. On a grandi avec Tobunda, Toswana, Bissom, Tozalat, Kiwana. On a vécu légèrement de Bosson à Bisson. Bah, on a le bain après ça, on a fait, bah, Inos Biba Fali, bah, Héritier, bah, Fabregas, bah, Gezmawete, bah, Robinho. Bah, on a battu dans Bangouan. Bah, Botami, bah, Kouti, bah, Ferre, bah, oui, bah, Ferre, bah, Fali, bah, Robinho, bah, Banani, bah, Inos Bi. Bah, on est dans la génération, bah, la Miki Bakoli. Peut-être samedi. Non, que mariage continue, tant sous Yande Onanga. Non, c'est que mariage est pour Nandoula. Bah, nous, amis, qui est sur Koba Kindara, Indoula, Inos Biwana,
Sur le plan phonographique, le producteur va vraiment bénéficier. Est-ce que vous avez la musique dans le monde? Vous style. La musique est sa penchant côté musique urbaine. Il a fait l'album Mobimba. Il y a musique qui Rumba Trap. Ça n'a rien à voir avec la rumba. Face à Toko, ça n'a rien à voir avec la rumba. Les Robin, les Manchins, les Kulumba, les Gezmawete, les Inosbi, rien à voir avec la rumba. Héritier de la chance. Il a fait un très bel album de la rumba qui a marché. Mais ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Est-ce que Bawera, ils sont vraiment entendus à ce point? Tu vois? Donc, Wazaskuba risque au producteur à courir, Nabiso va tourner la musique. Mais tout de même, c'est vraiment important qu'on ait ensemble. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu ça. Ça sera historique. Qu'on ait ensemble sur le même podium. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de désordre? Il n'y aura pas de chevauchement? En dehors, il y a caché, ça obtient des mots, c'est que vous avez un photo sous là. Si vous avez juste un mot à cacher, juste un mot à dire, après, vous avez un mot à dire, sans qu'il va foutre. Vous avez un mot à dire. Parce que vous avez un caché, mais ça a tout l'album, ou ça a un moyen de l'autre côté. Si vous avez un mot à dire, si vous avez un caché, s'il y a une chanson à chanter au studio, même si vous avez un mot à dire, tu dois aller chanter. Est-ce que ça a un esprit ouvert? Parce que la réconciliation, il y a solo, il y a un business, il y a un. On doit réfléchir de cette manière-là. Et après, ils doivent dire merci à Ferré parce que l'idée est venue de Ferré. Que ce soit Amadou Diaby ou nos vieux de Wenge, ils doivent dire merci à Ferré parce que l'idée est venue de Ferré. Réunification, on a Yabaninga et Wenge, tout ça, la nostalgie. Parce que c'est les mêmes discours qu'ils ont utilisés. Que non, les gens ont besoin d'écouter cette nostalgie-là, bah, okango kala, bah, et ça, là, bah, bien. Oui, mais c'est Ferré qui a dit ça. Maison mère, tu as qui ensemble, tu as ensemble, nostalgie, wana. Tout ça, sous moi, le groupe Bakbayo, qui a mis sur les sous-tons, tout le monde a besoin de bilingana et à Kala. C'est comme ça qu'il va saler les dynasties. Ce qui est Amadou Diaby, à Bengi Bango. Ça pouvait aussi être quelqu'un qui l'a contacté. Donc, bref, ils doivent dire merci à Ferré. Lélo Ferré est un leader charismatique incontestable. Il y a tout le monde, musicien. Il y a des fanatiques, mais musiciens. Ferré a été un acoustique, tout le monde a suivi. Bon, pas tout le monde, mais presque tout le monde. Sauf peut-être ceux-là qui n'ont pas fait, peut-être qu'à titre d'orgueil. Que non, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pourquoi il y a des gens qui ont été en train de se faire? Déjà, un acoustique, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Babende Soubou l'a fait. Donc, tu vas ça, ça fait moi droit d'auteur, droit d'inspiration. Mais on irait. C'est une source d'inspiration. Mais on irait pas dynastie en danger. Tu as la rabat. Tu vas la dynastie. Bamouna ba ferre, ba JDT Moulopena, Bamounion, ce met tout le monde. Est-ce que Wenge, Wera, Jibe, Alain Pela, Nani, on irait dynastie en danger. Les lots dans le Congo, on a vu que nous avons vu et belé, il y a Congolais, ils ont subi. Il est moins âgé, je pense que tous les artistes. Il est moins âgé que tout. Je me trompe, si je me trompe, Boulim Bissanga. Il est moins âgé que tous les artistes, presque. Je pense même, je parie que Geza Rosa Mkola Inosbi. Mais nous avons vu et bien sur YouTube, dans les réseaux sociaux, ils ont dit que Inosbi, ils ne peuvent pas appeler ça. Après, les gens vont dire, on a chaîne Naïté, mais ils ont dit Naïé. Parce que c'est là qu'ils ont fait des featuring avec cet artiste-là. Ah, tiens, on peut la chaîne Naïé. Vous comprenez? Mais Zanzembo, il y a une annonce qui est vue et belle au regard de Zanzembo, tu es à Congo. Donc ne pensez pas que ceux qui sont dynastie, ce n'est pas la dynastie qui vient de la bête. Non, les lobes sont faire, ils sont faire. JDT, Intel, Blaise. Donc, quand on a une autre chose qui est une musique, ils sont faire.
Et puis il faut quand même qu'on se le dise aussi, il n'y a comme dans la souka. Et comme dans la souka, tandis que, bah, ils vont prendre beaucoup de temps, ne vous en faites pas. J'ai besoin de calendrier, de concert, de macamounaye. Peut-être que je vais vous dire que vous avez disputé. Où est ma maman? Blaise Boula, n'en parlons pas. Adolphe, tout ça. Bon, là, il faut que je vous dise tout ça et tout. Est-ce que vous avez un talent ou un appel? Non, d'après, c'est une dynastie. Mais de mars, ça va vous montrer cet album. On attend. Moi, j'ai confiance à cet album-là. Je n'ai pas extrait. J'ai entendu que je n'ai pas fait déjà. Bah, extrait, c'est un bel album. Mais ils doivent dire merci à Ferré parce que Ferré aujourd'hui, il est la source d'inspiration de toutes les générations. Et il est un leader charismatique, capable de ramener les gens derrière son idéologie. Mais quels gens? Les grands artistes, des stars. Ferré a ramené une idéologie, une bêta acoustique. Pendant le confinement, tout le monde l'a fait. Il y a une dynastie de l'Obat Babimi, au nom Wenge, réunifié. Bravo! Mais il faut dire merci à Ferré. S'il faut payer les droits d'inspiration, il faut aller payer à Ferré. C'est les pères de la révolution, en fait. Ferré, pas le bazar, moi, la Wenge. Est-ce qu'il y a un Wenge 4x4. Si vous avez contacté, il va payer ses cachets. Il y a un business. Si vous avez payer ses cachets, il va contacter, il va payer ses cachets. Il y a un Wenge. Pour aimer les Azali. Ferré, peut-être qu'il y a été pour Azam, mais il y a un Moussou. Mais si vous avez payé, il va payer l'arrangé. Il y a un business. Tout le monde a à sa porte. Tout le monde cherche midi à sa porte. Merci beaucoup Charlie Prince, mot de la fin pour l'émission Lelo. Et avant tout compte on a aussi ces émissions, mais Kofi Olomide est nommé ambassadeur qui tire de notre pays. Et ça qui on est. Non, moi je pense que ce monsieur le mérite. Après tout ce qu'il a fait la musique Nabisso, il mérite ce titre. Moi je suis content va payer ça et Yango parce que après ils appellent qu'on responsabiliser mon tout davantage aujourd'hui dans le niveau comme on a parce que c'est un titre politique. Faut pas que Tobosana ceux qui déjà me conduisent beaucoup à nommer yo. Ils ont sous-souvenir qu'ils ont raté qu'ils ont sans but lucratif. Ils appellent que non, c'est un poste mérité et signé par l'ordonnance présidentielle. Bah, puis passeport diplomatique, ils ont politique déjà. Donc avant, il était ambassadeur volontaire. Il y a obéi partout parce que partout il passait. Alors, tu as dit que tu es Congo. Parti, c'est tout, ambassadeur à la culture, à travers ce qu'ils font à l'extérieur du pays. Parce que tu es ambassadeur à l'Ibanda, à Mboka. Ils en ont quatre, c'est Mboka. Si tu veux être l'ambassadeur de ton pays, tu dois aller exercer ces fonctions-là en dehors des frontières de la République. Parce que tu transmets les messages, il y a Mboka, pas il y a Bato Bazakuna, il y a Mboka. C'est comme ça qu'on s'est dit ambassadeur. Il était déjà ambassadeur avant, mais nommé officiellement par les chefs de l'État, il vient de l'être aujourd'hui. Et moi, je pense qu'implement, il le mérite. Il le mérite en tout cas à salir trop pour la musique Nabisso. Tout le but est qu'il est le seul. Il y a beaucoup de gens qui pouvaient aussi mériter, qui méritent aussi, mais qui n'ont pas eu peut-être la chance que Mukonza pour Nabango parmi les trois ambassadeurs. Kofi n'est pas le seul à mériter ce titre. Beaucoup de gens le méritent aussi, mais Mukonza, ça dit choix naïf sur Kofi Olomide, respectant le choix du chef. Et puis, moi, par exemple, ma question est celle de savoir pourquoi le chef a choisi trois ambassadeurs culturels, mais Bazakaba musicien, alors que la culture n'est pas que la musique. La culture n'est pas que la musique, il y a la peinture, il y a tout, il y a le cinéma, il y a vraiment, il y a plein de disciplines là-dedans. Mais il a préféré prendre trois musiciens, les renommer ambassadeurs. Quelque part, ça peut frustrer aussi les autres là, parce que bah, comme ça, culture, on dirait culture est à la musique. Non. Mais bon, pour Kofi, il le mérite. Mais il y a des gens qui ont les gars au final qui ont mérité en hôte, vieux mon coq, trop de rancunes, trop de problèmes, donc ils sont trop les catarans. Tout le monde a des émotions. Tout ça, la maman, c'est logique. Logique, c'est ça que Kofi le mérite. Point barre. Kofi a échangé la montée pour conduire le choix. Ils ont yoté. Ceux qui vont contester à moi. Les choix du chef, on ne peut jamais les contester. Le chef n'a jamais tort. Le chef a fait son choix sur Kofi Olomide, respectant le choix du chef. Point barre. Si tu as dit la grande personne, les grands artistes, les grandes stars, parce qu'il a dit que c'est le choix du chef. Ça peut risquer de tourner mal contre toi, si tu ne sais pas. Les choix du chef, toi, tu veux les contester. Comment tu peux contester les choix du chef? Le chef n'a jamais tort. Il a fait son choix. Sur Kofi Olomide, respectons les choix du chef. Kofi n'est pas moindre. Kofi peut défendre notre culture. Il sait comment communiquer. Que ce soit en français, il se débrouille pas mal en anglais, bien qu'il y ait bien en capacité, mais il y a quand même des mots où il peut dire, tu comprends les pays dénaïs. Tu vois, donc respectons-le. Il est un monsieur intelligent. Il est même plus intelligent qu'il y a beaucoup de ministres qui sont au gouvernement en train de travailler. Kofi peut être un ministre, premier ministre, pourquoi pas. Il peut être un conseiller en matière de l'homo songlo. Donc, il a tous ses atouts-là, il a toutes ses qualités. Merci beaucoup. Merci à toi et je tiens à remercier le partenaire Nanga Bibu chez Oumote Macedric Makela. Parta, chapeau. Merci beaucoup. Merci à notre sponsor Nanga IPP Mbongo Aboro Bank. Un grand merci à Yawili Mouchenia, Code Mondial. Merci beaucoup également à Eva Mouari, na Autriche. Sans oublier, au Dunom Mpouya, exemple à suivre. Mais Kalate Togen de Japon,
na makasi ya bona wa nzambi. Je crois peut-être fin du mois ou tout début mars tous en Japon pour nous ko salaka musala ya culture ngo. Moi je suis ambassadeur à la culture parce que na tambola na komba culture ngo na ngai. Partout je passe na tambola na komba Congo pour tout ça musala bien. Tous en Japon incessamment wa donc merci na bona wa nzambi. En tout cas, c'est le nouveau producteur congolais, un jeune producteur volontaire qui veut soutenir des artistes congolais. Donc, la production de la province, surtout à côté de l'Est, on a contacté Bona Wanzambi. C'est là qu'ils veulent être produits, même dans le Japon, parce que tout ça, là-bas, tout. Tout qui est dans le Scram, le prochain voyage, tout ce qui est en tout cas, je travaille avec Bona Wanzambi pour le moment. Un grand merci à lui, le directeur, merci beaucoup à toi de m'avoir responsabilisé par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et aux artistes, contactez notre maison, soit pour contacter Nga, j'amènerai les rapports auprès du chef, et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Oui, Azoïd Alibanga, des fois, t'es ici, Azoïd déjà. Un grand merci à toi, merci beaucoup, maître Jemima Lingibato, ma princesse. Maître, merci à toi, merci beaucoup, défenseur Nabiso Alobi Ewana. Donc, mon plaisir, c'est ça. Donc, Nyosonanga Ezaïe, merci à toi, Jemima. Un grand merci à mon garçon, Eli Ndama. Merci également à Ornella Bintou. Et je pense à Cadette Onema, sans oublier CB, Nuela Yanga, hein, VPM. Yoyebi Bambo Tebele Nayo. Merci également à José Faraï à Istanbul, mais également Bouda Mavakala, parce que ma boutique, ma basket, il y a bien à Istanbul. Maison, ma basket, Bouda Mavakala, des baskets. Donc, merci Nayo, merci à Christian Yongo. Merci également à Yves Kembo, depuis Mboka Miliki, Yazana Hollande. Merci Nayo, Nanisuna Bosani. Bon voilà, je crois que c'est bon, on se retrouve très prochainement, merci. Merci beaucoup Charlie Prince, merci à tout le monde mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin. Merci à Boda Mavakala, na sentir yo Boda Mavakala, Balobinza, Mea Basket, ba original, na Katia Tsirki, Bambo Tebele. Merci à Nisha Lifeta, hein? Richa Lifeta, Likesha. Donc, merci à vous et merci à moi-même. Mathieu Bon chez 001. Merci à Yawili Moucheni, les sels et les Nicodes à RDC. Merci à Nadine Ilodi Antibal, Maman Adjoujou. Merci à Arsène Toya, les jeunes millionnaires et pourquoi pas Arsène Ilodi. On est là, toujours sur votre chaîne Captis Télévision. On se retrouve la semaine prochaine. Bye! Hela ma ona ekolo samo na bwala roga roga misile na ningina loba hoye koya heya.